Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je viens de terminer la session, vous allez comprendre pourquoi, vous avez dû le voir dans le titre. Voilà, donc malheureusement il n'y aura pas de fiche dans cette vidéo, mais un moulinet qui fonctionne plus. Voilà, donc vous allez voir les rushs qu'il m'a mis, ça m'a fait mal, ça me fait chier là. Enfin pardon, excusez-moi, mais putain je suis dégoûté. Donc voilà, ce moulinet vraiment, c'est un très bon moulinet. Mais je sais pas ce que ça a branlé, peut-être le fait que je le graisse pas, je sais pas. J'ai pas fait le bourrin non plus de ouf, parce que j'entends venir déjà des « ouais, t'as fait le bourrin, tu l'as pété ». Non, non, là j'ai fait normal, j'ai rien fait, j'ai juste serré un peu. Bref, bien dégoûté, donc peine si jamais vous voyez cette vidéo, m'en envoyer un gratos, ça serait pas mal. Non, je vais voir, parce que c'est peut-être moi aussi, je m'en sers, je l'entretiens pas aussi. Donc voilà, allez, bonne vidéo les gars, tchuss. Poisson. Oui. Poisson. C'est gros, c'est gros. Oh putain, mon moulinet est pété, mon moulinet est pété. Ah, mon moulinet est pété, je suis dans la merde. Ah putain, on y est pété. Hey, donc on se retrouve pour la conclusion de ce cassage de moulinet en règle. Non, plus sérieusement, j'ai cassé ce moulinet, enfin... C'est en partie ma faute. Dans la vidéo, je suis énervé parce que je le dis peine, machin, mais c'est pas la marque. Le problème, c'est le fait qu'en fait, je l'ai pas entretenu, ce moulinet. Je l'ai eu fait tomber dans l'eau pas mal de fois. Et si vous voulez, à la terre du moulinet, dans les engrenages, il y a de la graisse. Et cette graisse, en fait, si elle finit par se dissiper, eh ben, elle ne fait plus l'action qu'elle doit faire dans les engrenages pour qu'ils tiennent et qu'ils soient graissés pour tenir, quoi, pour pas casser. Et donc là, ce qui manquait, c'était tout simplement de la graisse. Et ça a fini par user. Donc, c'est cette pièce hein, qui a donc fini par casser. Enfin, casser, s'user. Parce qu'en fait, c'est toutes les dents là que vous voyez. Les dents que vous voyez au-dessus qui ben, font plus leur fonction. Quoi. C'est-à-dire qu'elles sont complètement uses, complètement plates. Et ça, ça a été du fait qu'en fait, je ne l'ai pas graissé. Et que, bah, à force de forcer, parce qu'il y a eu des fois dans d'autres sessions, c'est vrai que j'ai eu forcé. Voilà. Et ben, ça a fini par complètement s'user et au final casser. Donc, c'est tout simplement pour certains comme moi qui prennent pas soin, entre guillemets, qui font pas gaffe au matériel, ben voilà, c'est pour ça, c'est une leçon. Voilà, donc à l'avenir, je ferai attention. Dès que je sentirai qu'il y a que ça force un peu ou autre. Derrière, je démonte, je graisse, je nettoie, je graisse. C'est important, voilà. Donc là, ce qu'il faut, ben, c'est que je change cette pièce tout simplement.
Donc là, je l'ai trouvé sur eBay. Voilà. Donc elle est pas hyper chère. Voilà, même ça va, c'est 8 euros. Logiquement, regardez, vous voyez les dents là, comme elles sont beaucoup plus prononcées. Voilà, là, on voit la différence et on les voit plus, moi, du tout. Hein. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement la commander, là, au moins la recevoir pour l'ouverture. Et puis, donc, la changer et la remettre donc dans le moulinet. Voilà. Donc voilà, j'espère que bah, pour certains d'entre vous qui prenaient pas soin comme moi du matériel, enfin, je prenais soin, mais je veux dire, je graissais rarement, très rarement. Donc voilà, ça m'a servi de leçon, puis je serai pour la suite. Mais la marque, je pense pas qu'elle est là-dessus. Pen, c'est une très bonne marque de moulinet, tout le monde le sait. Après, peut-être qu'il y en a qui m'ont dit niveau engrenage, ils sont pas exceptionnels. Mais là, je pense vraiment que c'est moi qui ai merdé sur le coup. Je l'avoue, tout simplement, c'est moi qui n'ai pas graissé, qui n'ai pas. Voilà. J'aurais dû le faire. Voilà, tout simplement, c'était voilà, pour mettre une petite mise au point. Allez, sur ce, je vous laisse avec un petit bonus. Ce que j'ai dit, il y en a certains qui ne vont pas avoir de fiche. Donc, j'ai mis un petit bonus et un petit poisson pris pendant une petite tempête. Donc, voilà, c'est sympathique. Allez, je vous laisse avec ce petit bonus. A plus, les gars. Tchuss.